Ouais, c'est Toupa et salut à toutes et à tous pour ce 7ème épisode sur Mario Tennis Aces en mode aventure. Donc là, le mode histoire, on arrive dans le dernier monde, je pense que c'est le dernier monde. On a battu Bloops, le boss Bloops, juste avant. On n'a pas récupéré la gemme puisque Wario et Waluigi l'avaient déjà récupéré. Du coup, ils nous ont dit « Rendez-vous sur l'île Inferno, nanana !» Bon, bref. Tels de méchants, on les a suivis comme des mongolos, et résultat des courses, je me suis arrêté en cours de route pour aller voir Kamek, que j'ai battu au final et qui m'a donné la raquette Carapace. Je l'ai battu, j'ai fait le défi des 400 points. Un peu chiant d'ailleurs, j'avoue, parce qu'il joue énormément avec le vin au milieu du bateau, donc du coup, ça, faut anticiper le rebond. Surtout quand il n'y a pas l'étoile. Du coup, là, maintenant, il est fait. On va aller sur l'Inferno. Et let's go. Le temps presse. Et oui, tu as bien raison. Le temps presse. On va commencer à avancer. Inferno. Premier round. Ah. Le maître de Boom Boom. Alors personne passe. Ah c'est lui. Ok. Donc on pourra peut-être le jouer. Ah sympa le terrain. Alors je sais pas à quoi servent les petits tuyaux. Bah t'es boum boum en prenant garde au mecha. Mecha Koopa. Donc là on a 5 à 4 chacun. Gentil et puissance. Ah ouais. Okay. Ah ouais, mais c'est chaud là. Les coins là. Hop. Petite image. Est-ce qu'on lui pète sa raquette? Ouais. Je pense qu'on va jouer sur la raquette. Ça a l'air. On va voir ce qu'on va lui retirer du coup. Raquettes, hein. Je pense que là ça va partir très vite. Boum boum. Ouais, il est puissant. Hop, allez, come on.
moins on est sûr de marquer le point. 15-30, on est toujours, on est que sur le deuxième jeu là en plus. Je vais pas faire ça. Oh non, je pensais que c'était sur la ligne. Ce serait le premier jeu que l'on perdrait. Je vois la raquette hein. Voilà. Raquette. Enfin une troisième raquette en moins. On revient à l'égalité. Parfait. Oh non, c'est sérieux. Ok, on va jouer sur la raquette. Hop, la raquette a pété. Allez, il faut en péter encore une. Je joue à la raquette là-dessus. On va faire un jeu que raquette. Parce que là... Alors, et c'est fini! Il n'a plus de raquette. Jeu, c'était match. Voilà, donc là vous avez vu, c'est totalement différent. Hein. Donc, basé sur la jauge, je vais péter toutes ces raquettes, absolument toutes. Et du coup, ça m'a bien servi, puisque au final, bah. j'ai gagné le match! Eh oui, il faut le dire, j'ai gagné le match. Bon, alors boum boum, c'est bon. Pas assez fort. Donc on avance. On va voir. Je vais pas vous faire les défis.
voilà, cours d'entraînement du château. Or, pont du château, je sais pas ce que c'est. Non, je verrai après. Porte du château. On va aller directement droit au but. Oh, stylé. Je sais pas comment il s'appelle. Les frères marteau, voilà. Tu as raison, on est parvenu à venir jusqu'ici, alors on n'a pas le droit de baisser les bras maintenant. Ce Toad, incroyable. Battez les sbires de Bowser dans le temps imparti. Ok, bah c'est comme comme les Maskas, comme le gang des Maskas. Pour la montagne. Je pense que là il y a autre chose. Ah ok. Les coincoins aussi, mais au final les coincoins on peut pas les balancer comme ça, donc on va se concentrer juste sur les beatballs et faire gaffe à ce que les coincoins pètent pas sous nos pieds, et puis ce sera fait, et puis voilà. Ok, on va le refaire, pas de soucis. Et voilà, le passage des frères marteau, ça allait pas trop difficile, juste faire attention après pour le quand il y a le trompe, tout simplement, hein. Faites bien gaffe à prendre les coins qui vous explosent sous les pieds, et puis c'est tout. Allez, on y va. Yeah.
dans les bimbos, faire attention et puis. Ah ok. Bien les interceptions, les coin-coins ils servent à rien. En fait vous bougez un peu, dès que vous passez dessus, dès que vous les tapez à peine les coin-coins, ils vont s'arrêter, ils vont commencer à se charger pour exploser en fait, tout simplement. Ok. Donc la porte du château, c'est fait. On va peut-être pouvoir avancer. Alors, et bienvenue dans le château de Bowser. Et oui, il faut vite trouver la gemme. Alors c'est Bowser, battez le boss de l'île Ferno dans le temps imparti. Ouah, ça peut pas s'arrêter comme ça, je pense qu'il y a d'autres choses derrière. Je pense très sincèrement qu'il y a d'autres choses derrière. Ok, donc il y a une gemme là, donc c'est la dernière. Bah ce sera Bowser. Ah non, même pas, c'est pas le... C'est pas le... Ah ouais, d'accord, ok. Oh wow, 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 what the fuck? Ah ouais, j'ai pas pu. Ok, on est. Oh la vache! Pas simple. Ah bah non! Ça l'a pas. Ok, 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 ok. On va identifier où est l'étoile. Dans la bouche! On smash dans ta bouche! Oh maintenant! Oula, 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 oula! Ah ouais, je savais pas. Thank you.
Il est là-bas. Oh non! Ça a pas voulu! Putain! En plus, on perd du temps. Allez! On va. Bim! Dans la bouche! First try! C'est beau ça! Ça, c'est beau gosse! GG, ça c'est beau gosse. Voilà, du coup on a battu le boss. Est-ce qu'on a la gemme? Visiblement oui. On récupère la quatrième gemme. Ok, on passe niveau 29 du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce que bon, on vient de récupérer la gemme, mais il nous en manque quand même. La statue de Bowser, c'était un combat difficile. Oui, c'est le moment par toi de la gemme de puissance. Ah, va falloir faire un match contre Luigi Wario. Mais heureusement que tu nous en as débarrassé. Bon, on part avec la gemme maintenant, d'accord? Quoi qu'on vous souriez, soyez pas mauvais perdant. Il va y avoir un match. Non, sérieux, il se barre? Oh Luigi! Les 5 gemmes de puissance, on en a 2, vous en avez 3. Besoin d'en finir, seuls les vrais as méritent les gemmes de la puissance. Allons au stade, on va régler ça une bonne fois pour toutes. Moi je dis, il y a de la provoque dans l'air. Provoque, grosse provoque dans l'air. Comment ça a pu arriver? Oh là là, le Toad il est tout le temps triste. Mario il est énervé non? Oh, déjà vous me volez vos frères, alors en plus vous me volez 2 gemmes sur moi, devant mon nez, devant ma moustache. Je ne peux pas vous laisser faire comme ça. Tiens. Bon bah, je pense que ça va se régler en match de tennis. Hein. Le cours Inferno a été ajouté. Nice. Et du coup, retour au stade. Ah, nice. Bon, comme je vous avais dit, je vais pas faire les deux défis qu'il y a à droite et à gauche là. Dans le, je vais pas vous les montrer. Je pense qu'il y aura une raquette en plus et en plus on va débloquer un terrain supplémentaire. Donc voilà, on va s'arrêter directement là pour cet épisode. C'est cet épisode de l'Inferno, épisode numéro 7. Merci en tout cas de toujours être présent. J'espère que ça vous plaît toujours autant cette petite série. Tranquille, pépouze sur Mario Tennis et ici sur le mode aventure. Et donc, prochain et 8ème épisode, ce sera au stade. Et on va voir ce qui se passe du coup si on a un match à faire contre Wario, Waluigi et Luigi. On va voir ce qui se passe parce qu'ils sont quand même toujours possédés. Hein. Bien évidemment, et ils ont les 2 gemmes qui nous manquent. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Faites-moi part de vos commentaires pour savoir les trucs à améliorer, les trucs à rajouter, les trucs à retirer. Faites-le moi savoir, comme ça je corrigerai. Et pour nous, on se retrouve au prochain épisode, 8ème épisode, sur la dernière phase, peut-être, de la partie aventure de Mario Tennis Aces. Sur ce, ciao!